Bonjour chers amis de Sodafone TV, c'est parti pour la vidéo. Alassane Ouattara l'avait déjà annoncé au mois de janvier et c'est désormais officiel. Au cours d'une session extraordinaire qui s'est tenue ce 8 février à l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a démissionné de son poste de président du Parlement ivoirien. J'étais face à un dilemme, soit trahir mes convictions en allant au congrès du RHDP, ou ainsi dit sauver un poste confortable, soit rendre ma démission et ainsi être capable de me regarder moi-même dans une glace. Je n'avais aucune alternative. Refuser de démissionner conduirait immanquablement à une crise institutionnelle déstabilisante. Je ne suis pas un homme à m'accrocher comme un sacrophyte à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. Je préfère descendre de mon piédestal que de me complaire dans l'aisance de la posture institutionnelle. Je veux qu'on retienne de moi le souvenir d'un homme de conviction, debout face même au lendemain incertain. À cet instant précis, je rends ma démission. J'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué au moment de son discours de fin. Désormais, l'ex-chef de la rébellion est un opposant, au même titre que le président Bédié ou le président Gbagbo. Le désormais ex-président de l'Assemblée nationale a quitté l'hémicycle en tant qu'un simple député dans sa voiture personnelle au lieu de la voiture de fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à nos différents comptes sur les réseaux sociaux et surtout partagez cette vidéo et likez. On est ensemble.